On aime souvent dire qu'il faut suivre le prix du marché. Mais si le marché dans lequel on est complètement malade, qu'est-ce qu'on fait? On le suit quand même? On va en parler. Bienvenue chez Cake Entrepreneur. Je suis Fanny Ouamara, pâtissière et cake designer après une reconversion professionnelle de la biologie à la pâtisserie. Sur cette chaîne, j'aide les personnes qui souhaitent se lancer dans le cake design en tant qu'entrepreneur à pouvoir fixer des prix, créer une entreprise, la développer, travailler son branding, sa marque, ses prix, ses offres, en tout cas, voir de manière globale à 360 degrés tout ce qu'il faut mettre en place pour lancer son entreprise et la développer dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important car j'ai eu un échange avec quelqu'un qui a suivi l'un de mes lives et sur Instagram, on a échangé longuement et il m'a fait un témoignage en me disant que le dernier live que j'avais fait avec Valeska l'avait énormément chamboulé car il avait réalisé qu'en fait, il n'avait pas du tout de connaissances dans tout ce qui est gestion, marketing, comptabilité, client, ciblage, branding. Et que ce sont des choses qui sont fondamentales quand on veut vraiment faire une entreprise pour la réussir. Si on veut la faire pour ne pas la réussir, on fait totalement ce qu'il faut faire en ne se formant pas. Mais si on veut la réussir, on a intérêt à se former. Il m'a partagé cela et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je me suis dit que c'est bon, je ne prêche pas dans le désert. Car je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui ont suivi nombreuses vidéos de ma chaîne YouTube Cake Entrepreneur, mais qui jusqu'à présent n'ont pas fait le pas de changer les prix, de revoir les prix et de les mettre en pratique par peur ou par ego. On va parler de la peur et de l'ego. Car bien souvent, ce qui va vous empêcher de passer à l'action et de changer vos prix, c'est parce que vous avez peur ou parce que vous avez un ego en vous disant que non, je peux y arriver. De toute façon, les prix ce seront trop chers et que personne ne va acheter. Je suis sûre que je peux y arriver. Ou bien vous allez avoir peur en disant, oh, mais si je change mes prix, j'aurai plus de clients. Comment je vais faire? Je vais devoir laisser tomber mon cake design et tout. Je ne pourrai jamais vivre de ça. Mais laissez-moi vous dire une vérité qu'on ne vous dit pas souvent. Si vous arrêtez le cake design, c'est parfait. Si le cake design ne vous rend pas profitable et rentable, ne vous donne pas une autonomie, indépendance financière, arrêtez le cake design. Arrêtez-le tel que vous le faites vous, c'est-à-dire seul, en artisanat, voilà, en étant seul. Si vous voulez vous lancer avec des capitaux et prendre des employés, investir dans des machines qui vont faire les choses plus rapidement, et donc du coup, on pourra baisser les prix car on gagne en temps, là, c'est OK. Mais il faut choisir son système économique. C'est où on est artisan, où on est industriel. Mais on ne peut pas vouloir être artisan et pratiquer les prix de l'industriel. Je le dis et je ne veux pas me fatiguer, je vais toujours le répéter. Donc, si c'est par peur, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Et ce qu'il m'a dit, ce jeune homme justement qui a suivi mon live, il m'a dit qu'en fait, que c'était par ego ou par peur. Mais parce que il y a une phrase que j'ai dit qui l'a vraiment marqué, c'est que si vous arrêtez le cake design, c'est pas grave, travailler chez McDonald's vous paiera beaucoup mieux. Et c'est exactement ce que je veux passer comme message. Travailler chez McDonald's te fera gagner mieux ta vie que de continuer à faire ton cake design à des prix de 7 euros la part. Travailler chez McDonald's te rendra plus rentable. Tu auras plus de temps pour toi, ta famille, et tu auras un salaire qui tombera à la fin du mois et qui vaudra beaucoup plus le temps que tu mets par rapport à ce que tu mets maintenant et ce que tu gagnes. Le temps est précieux, c'est votre denrée la plus précieuse. Donc arrêtez de la vendre à qui veut, qui vous demande un gâteau, qui vous fait du bien, vous sentez estimé, vous sentez bien. Mais à la fin du mois, à la fin de l'année, combien avez-vous gagné réellement? Si vous pensez que vous êtes un entrepreneur, vous ne pouvez pas continuer ainsi. Mais si pour vous c'est juste un hobby, une façon d'arrondir les fins du mois, alors cette chaîne, elle n'est même pas pour vous en fait. Elle est vraiment pour les personnes qui veulent faire des choses de manière rentable car elles sont des entreprises et veulent changer leur vie, de passer d'un boulot qu'elles n'aimaient peut-être pas à un boulot qu'elles aiment, mais qui leur permet de gagner leur vie et de ramener un salaire à la fin du mois et d'avoir un peu plus que le salaire pour faire grandir l'entreprise. Si cette thématique t'intéresse, ça tombe bien car ce soir,
je donne une masterclass sur le thème fixer des prix profitables sur Zoom à 19h30. Je mettrai le lien d'inscription juste en dessous de cette vidéo. Donc, ne mettez, si vous voyez qu'il n'y a pas de lien, regardez dans la barre d'infos. Il y aura tout, tout, tout sera expliqué dans la barre d'informations. J'ai dit au début que comment peut-on continuer à pratiquer des prix d'un marché si le marché il est malade? Et le marché du cake design français francophone, il est malade car 80% des gens vendent des gâteaux à perte, vendent des gâteaux non profitables, des gâteaux qui ne pourront jamais leur permettre de vivre dans le modèle économique qu'ils ont choisi, c'est-à-dire être artisan, faire du sur-mesure, voilà, et ne rien industrialiser du tout. À ce rythme-là, ils ne pourront jamais vivre du cake design. Et ça, il faut qu'on vous le dise, et je vous le dis aujourd'hui, et je vous le dirai encore plus profondément avec preuve à l'appui quand on fera des exercices avec des chiffres, car les mathématiques, c'est de la science, ce sont des lois de la nature, ça ne ment pas. 1 plus 1 égale à 2, et 1 plus 1 ne sera jamais égal à 10 en fait. Concrètement, ce qu'on va voir, c'est comment fixer ses prix, comment fixer sa marge de profit, combien de gâteaux vendre par mois, comment choisir les gâteaux qu'on devrait vendre et comment calculer son temps, combien de temps est-ce qu'on devrait travailler. On va aborder toutes ces choses-là et vous poserez aussi des questions auxquelles je répondrai avec plaisir. Donc, ne ratez pas ce Zoom, ce rendez-vous aujourd'hui, vendredi à 19h30 sur Zoom. Donc, tout ira bien, vous sortirez de là avec des réponses à vos questions. Si vous avez longtemps fait des gâteaux, vous avez eu plein, plein, plein de commandes, mais qu'à la fin, quand vous calculez, vous vous rendez compte que vous n'avez gagné pratiquement rien, c'est fait pour vous. Venez m'écouter ce soir, ça va changer votre vie, ça va changer votre mentalité et vous allez arrêter de perdre votre temps. Vous allez vous détacher émotionnellement de votre business car votre business ne doit pas être votre bébé. Vous avez des enfants, vous avez de la famille, vous avez des frères ou des sœurs, prenez soin d'eux. Mais votre business, si ça, en tout cas si vous l'appelez business ou entreprise, c'est fait pour vous rapporter une indépendance financière. Il doit avoir une contrepartie pour que chacun soit gagnant-gagnant, que le client soit gagnant, mais que vous aussi vous soyez gagnant. Et ça ne doit pas être votre bébé, car quand vous l'appelez votre bébé, vous vous attachez émotionnellement et vous faites des choses par plaisir, mais seulement à la fin, vous êtes perdante. Croyez-moi, vous êtes perdante. Alors, ce soir, 19h30, sur Zoom, le lien, il est en barre d'informations. Inscris-toi, prends ta place et viens écouter ce qu'il va se dire et change ta vie et arrête de faire les choses qui n'ont pas d'importance, qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont pas de résultat, qui n'ont pas de rentabilité. Ici, cette chaîne, c'est pour des entrepreneurs, ce n'est pas pour des personnes qui font ça pour le hobby, pour se faire plaisir, pour passer le temps, car en effet, on peut le vendre même à 0 euros, on est gagnant, car le but n'est pas de gagner sa vie avec. J'espère que ça a été clair. En tout cas, je vous attends nombreux. Inscrivez-vous et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.